450 avant Jésus-Christ. Depuis plus d'un siècle, l'Égypte était gouvernée par des étrangers. Mais une nouvelle dynastie de pharaons guerriers insuffla alors aux Égyptiens la force de se soulever pour revendiquer la maîtrise de leur territoire. Les armées égyptiennes déferlèrent au-delà de leurs frontières traditionnelles. Les batailles qu'elles allèrent livrer en terre étrangère donnèrent naissance au plus vaste empire que le monde eût jamais vu. Ce fut un empire dirigé d'une main de fer. Des avertissements sanglants frappaient tous ceux qui osaient remettre en question sa nouvelle puissance. L'Égypte devint la nation la plus redoutée de la terre. En 1390, un jeune pharaon monta sur le trône. Il fut le troisième à prendre le nom d'Amenhotep, qui signifiait « le dieu Amon est satisfait ». Alors que ses ancêtres avaient mené une politique de guerre, le nouveau souverain allait relever un défi totalement différent. Il n'y avait plus de combat à livrer. L'Égypte était riche, respectée et libre. Amenhotep III se fixa pour mission de gérer la paix et la prospérité de son empire tentaculaire. Un empire dont le monde entier jalousait les richesses. Son accession au trône a marqué le début de la paix. À cette époque, l'opulence du vaste empire faisait déborder les coffres du pharaon. C'était probablement l'âge d'or de l'Empire égyptien. Amenhotep III a dû être l'homme le plus riche du monde. Il avait l'or de la Nubie, il pouvait se procurer des cèdres du Liban, de l'argent d'Anatolie, il tenait le commerce de la mer Rouge. Tout ce qui existait dans le monde connu, Amenhotep l'avait à portée de main. Mais le monde était en train de changer. Pendant des siècles, l'Égypte n'avait pas connu de rival. Maintenant, Babylone, l'Assyrie et le Mitanni prenaient de l'ampleur. Leur puissante civilisation pouvait défier l'Égypte. Unies, elles étaient capables de détruire l'empire d'Amenhotep. Le pharaon voulait éviter la guerre à tout prix. Il lui fallait trouver une nouvelle façon de se comporter envers les nations étrangères. Il imagina une solution magistrale. Nous la connaissons grâce à une étonnante découverte. En 1887 de notre ère, une paysanne égyptienne cultivait sa terre près de la ville de Tell el-Amarna. Elle recherchait des petits blocs de limon séché pour la fertiliser. Ce qu'elle trouva ce jour-là ne ressemblait pas aux briquettes habituelles. Elle remarqua des rangées entières de tablettes d'argile bien conservées. Ces petits morceaux de boue étaient recouverts de caractères évoquant des pattes d'oiseaux qui se seraient promenées sur le limon. En séchant, il en aurait conservé les traces. Sans comprendre ce dont il s'agissait, cette femme ramassa des échantillons. Ces blocs d'argile n'étaient pas de simples galets de vase, mais des missives, jadis déterminantes pour le succès d'Amenhotep. La paysanne était tombée sur les archives diplomatiques de la capitale du monde antique. Les lettres d'Amenhotep ont fourni un éclairage inespéré sur toute la politique proche-orientale de l'époque. Ces tablettes étaient la correspondance entre le pharaon Amenhotep et les autres souverains du Proche-Orient. Les signes gravés dessus étaient étranges, une écriture minuscule. Ils recélaient autant d'informations que les inscriptions présentes sur l'ensemble des plus grands monuments d'Égypte.
Il révélait qu'Amenhotep contrôlait le monde non par les armes, mais par les textes. Le pharaon s'était changé en diplomate. C'est sans doute la découverte archéologique la plus importante en ce qui concerne la compréhension de la vie politique. Ce n'est pas la plus spectaculaire ni la plus séduisante artistiquement, mais c'est celle qui ouvre le plus d'horizons politiques de toute l'Antiquité. À une époque où la plupart des êtres humains ne savaient ni lire ni écrire, l'Égypte entretenait un dialogue épistolaire avec ses rivaux. Les messagers du pharaon se hâtaient de faire des va-et-vient à travers les déserts du Proche-Orient. Les missives qu'ils transportaient nous révèlent le statut de superpuissance de leur pays. La correspondance diplomatique qui circulait sous le règne d'Amenhotep ne surprendrait pas nos diplomates d'aujourd'hui. Elle était vraiment très semblable aux courriers que continuent de s'échanger les nations. Les lettres montrent qu'Amenhotep était aussi bon diplomate que ses ancêtres avaient été bons guerriers. Des ambassadeurs se pressaient à la cour du pharaon chargés de cadeaux en témoignage d'amitié. Soucieuses de faire preuve d'allégeance, les nations les moins puissantes payaient tribut sans discontinuer. Le principe en vigueur à l'époque était très clair. Si quelqu'un était riche, on faisait en sorte qu'il se sente encore plus riche. Quand on lui rendait visite, on se présentait avec des marchandises de son propre pays. C'est un des facteurs qui ont permis au pharaon d'étendre son pouvoir à des pays où il n'avait jamais mis les pieds. Des scènes peintes dans les tombeaux égyptiens montrent à quoi devaient ressembler ces fabuleux étalages de présents. Des objets hors de prix affluaient de l'ensemble du monde connu, de la Crète minoenne comme de la Babylone biblique. Les Nubiens apportaient des girafes et des lions, les Syriens des ours en provenance de leurs montagnes. D'autres pays envoyaient des oiseaux ou toutes sortes d'animaux caractéristiques de leur région. Ces cérémonies exprimaient de façon concrète, spectaculaire, l'ampleur de l'Empire d'Égypte et la diversité des nations qui le composaient. Elles affirmaient la position centrale du pharaon au cœur du système. Amenhotep s'est surnommé le roi des rois. C'est bien l'image que recevaient de lui les souverains qui prenaient part à son empire. Amenhotep savait qu'il était l'homme le plus puissant du monde et qu'il jouissait d'un immense privilège. Il ne détenait pas son pouvoir des armes, mais de l'or. Les messages qui arrivaient à la cour ou qui en partaient nous montre que même les plus grands rois du Proche-Orient convoitaient l'or du pharaon. Ils étaient prêts à tous les sacrifices pour en recevoir une partie. Si tu me fais parvenir l'or dont je t'ai parlé dans ma lettre, je te donne ma fille. Envoie-m'en autant que l'a fait ton père. Dans ton pays, l'or est comme la poussière. Il suffit de se baisser pour en ramasser. Si tu souhaites qu'une amitié sincère nous lie, envoie-moi une bonne quantité. J'ai commencé à bâtir un nouveau palais. Envoie-moi l'or qui me sera nécessaire pour l'orner. Amenhotep répondait judicieusement à leurs requêtes. Il leur donnait de l'or, mais veillait à ce qu'ils en désirent toujours davantage. Sa stratégie fit merveille. Les rois du Proche-Orient s'échangeaient des cadeaux au lieu de s'échanger des coups. Le cadeau le plus précieux de tous était une princesse étrangère à épouser, accompagnée de sa dot et de sa suite. Amenhotep chargeait ses ambassadeurs personnels de lui trouver les meilleurs fiancés. Il s'agissait de bien autre chose que de satisfaire son appétit sexuel. Son harem s'enrichit ainsi des plus belles filles des plus puissants rois de son époque. Et
des liens de fraternité unissaient les grands rois, qui s'appelaient mutuellement « mon frère ». Et celui qui épousait la fille d'un autre roi faisait alors réellement partie de la famille. Mais le procédé ne fonctionnait pas dans les deux sens. Le roi de Babylone se plaignit amèrement qu'Amenhotep ait refusé de lui envoyer une princesse égyptienne. Quand je t'ai écrit pour demander d'épouser ta fille, tu m'as répondu « Aucune fille de Pharaon n'a jamais été donnée à personne. » Pourquoi tu ne le ferais pas? Tu es roi, tu as tous les droits. Cette récrimination fut sans effet. Aucune princesse égyptienne ne pouvait épouser un prince d'une autre cour, de crainte qu'un jour un étranger revendique le trône d'Égypte. Mais le roi de Babylone suggéra un compromis susceptible de détourner le problème. Envoie-moi une belle femme comme si elle était ta fille. Qui sera capable de dire qu'elle n'est pas ta fille? La seconde requête du roi de Babylone fut rejetée. Amenhotep se jugeait fondé à prendre des princesses sans en envoyer en échange. Il s'estimait doté d'une intelligence supérieure et veillait avec grand soin au maintien de la hiérarchie. Bien qu'il ait eu un grand respect pour les autres rois de son époque, il se plaçait toujours au-dessus d'eux. Amenhotep était plus riche et plus puissant que tous les pharaons qui l'avaient précédé. Personne ne put l'ignorer longtemps. Il mit les vastes ressources de l'Empire au profit du programme de construction le plus colossal que le monde eût jamais connu. Lancer un programme de construction était un des meilleurs moyens dont disposaient les pharaons pour se donner une stature de héros, de grand créateur. Le chantier fut digne d'un géant. Les innombrables blocs de grès extraits des carrières d'Égypte laissèrent des cavités qui, à elles seules, évoquent des temples creusés à même le roc. Ce fut une prouesse en matière d'organisation. L'exploitation des carrières exigea l'envoi dans le désert de soldats, de cuisiniers, de médecins, de porteurs d'eau. Les nouveaux temples d'Amenhotep firent plus qu'afficher sa richesse. Ils rendirent en même temps hommage à la suprême source de gloire de l'Égypte, ses nombreux dieux. Un dieu fut particulièrement remercié du succès qu'il avait assuré à Amenhotep, Amon-Ré, le roi des dieux. En échange de son soutien, le pharaon consacra une bonne part de sa fortune à la construction du sanctuaire principal où on honorait tous les dieux. Et plus le temple devint riche, plus les prêtres du temple devinrent puissants. Les prêtres qui contrôlaient ces vastes établissements détenaient les rênes du pouvoir financier, mais aussi du pouvoir politique. Le pouvoir des prêtres d'Amon-Ré commença à rivaliser avec celui du pharaon lui-même. Mais Amenhotep s'assura que les sujets des différentes nations de son empire n'entendaient parler que de ses réussites, jamais de ses problèmes. Il eut recours à leur égard à un nouveau moyen de communication très surprenant. Depuis longtemps, on avait pour amulette des pierres sculptées en forme de scarabée. Amenhotep en fit façonner un très grand nombre. Il fit inscrire l'annonce de ses dernières réalisations sur des scarabées faciles à transporter qui voyagèrent à travers tout l'Empire. Les scarabées porteurs de propagande furent les premiers journaux de l'histoire. Il a diffusé des informations sur sa puissance, sa richesse et ses exploits au plus profond de la population égyptienne. Les nouveaux scarabées ont été les premiers médias de masse, capables, comme le sera la télévision, de répandre une nouvelle sur une grande échelle. C'est par ces scarabées que le monde extérieur apprit qu'Amenhotep s'était trouvé une reine.
En plus des épouses de second rang qui vivaient dans son harem, chaque pharaon se choisissait une grande épouse royale. Pour renforcer le sang de la dynastie, c'était souvent une sœur ou une proche parente. Amenhotep résolut d'ignorer cette coutume. Il annonça fièrement qu'il épousait une roturière, la fille d'un lieutenant de la charrerie. Une femme du nom de Ti. Le père de la grande épouse royale porte le nom de Louya et sa mère celui de Touyou. Elle est l'épouse d'un puissant souverain. Elle semble avoir été une femme de caractère. Ses portraits sont extraordinaires. Pour une fois, ils nous transmettent une indication sur la personne représentée. Le visage de la reine Ti ne laisse passer aucune douceur. Rien qu'à la regarder, on s'est dit que c'était un drôle de phénomène. Ti était une reine peu commode. La taille de ses statues suffit à nous montrer l'autorité qu'elle dégageait. Elle était aussi grande que son mari. La reine Ti fut plus qu'une grande épouse royale. Elle fut presque l'égale d'Amenhotep. Le pharaon le démontra d'une manière éblouissante en érigeant deux temples dans la partie supérieure du Nil, en Nubie. L'un pour la reine et l'autre pour lui-même, côte à côte, à Saleb. Ces temples ne furent pas bâtis simplement à la gloire du couple royal, ils leur furent proprement dédiés. Au cœur du sud de l'Empire, on révéra Amenhotep et Ti comme des dieux. Le prestige du pharaon est gravé dans la pierre tout au long du Nil, jusqu'aux provinces africaines de l'Empire. Il est représenté physiquement en train de contempler l'Empire qu'il contrôle. Le message d'Amenhotep à ses sujets nubiens était clair. À la base de la colonne dressée à Saleb sont dessinés des prisonniers nubiens. Une image de la puissance du pharaon destinée au regard de tous. Il était particulièrement important qu'Amenhotep conserve la maîtrise de la Nubie. Ces mines fournissaient à l'Égypte la majorité de son or et l'or permettait de garder l'ascendant sur les pays rivaux. Les rois étrangers ne cessaient de demander de l'or, toujours davantage d'or. Comme l'avait dit l'un d'entre eux, dans ton pays, l'or est aussi abondant que la poussière. C'était l'Eldorado de l'Antiquité. Amenhotep a toujours assuré la fourniture de l'or. Mais il consacra une part de plus en plus importante du trésor au temple d'Amon-Ré. Les prêtres de Thèbes en vinrent à jouir du tiers de la richesse de l'Égypte. En outre, ils étaient les interprètes de la volonté d'Amon-Ré à laquelle le pharaon devait obéir. Les prêtres d'Amon-Ré sont devenus plus puissants qu'ils l'avaient jamais été. Ceux de Karnak ont sans doute disposé d'un pouvoir supérieur à celui du pharaon. Afin de se dégager de l'autorité des prêtres d'Amon-Ré, Amenhotep commença à manifester de l'intérêt pour un dieu de second ordre, Aton, l'aspect visible du soleil. Cette démarche ne semblait pas revêtir une grande importance. Elle allait pourtant tout changer. En 1352 avant Jésus-Christ, mourut Amenhotep III, le grand pharaon, le génie de la diplomatie. L'Égypte plongea dans le deuil. La mort du roi a dû être un événement terrible. Il y avait longtemps que cet homme dominait la politique, la religion, et non seulement la vie de ses sujets, mais celle de tous les peuples de l'Empire. Même ses rivaux du Proche-Orient pleurèrent Amenhotep. Les rois étrangers écrivirent à sa veuve, la reine Tilly, pour lui témoigner leur douleur personnelle. J'ai pleuré.
je suis resté effondré. Je n'ai ni mangé ni bu. Je me suis lamenté de ne pas être mort à sa place, moi ou 10 000 de mes sujets, pour que mon frère que j'aimais et qui m'aimait pût vivre aussi longtemps que le ciel et la terre. Amenhotep est mort au cours de sa 39e année. À la fin de sa vie, il pouvait contempler un empire sur lequel il avait l'impression que le soleil ne se couchait jamais. Il pouvait méditer sur un monde en paix, régi par la diplomatie, un monde où la richesse de l'Égypte était indéniable. Il allait léguer tous ses acquis à son fils, Amenhotep IV. Amenhotep IV avait grandi au sein de la plus puissante famille du monde. Il se retrouvait maintenant pharaon, souverain de l'Empire d'Égypte. Dans les premières années de son règne, rien ne sembla changer. Pourtant, à la cour, le nouveau roi encouragea des idées qui ne tarderaient pas à bouleverser la société égyptienne. Un art de style radicalement nouveau s'épanouit. Au dire des artistes, c'est le pharaon lui-même qui le leur insufflait. Il rejetait les conventions de l'art égyptien traditionnel. Il célébrait l'effervescence du monde réel. Les œuvres devinrent sensuelles, pleines de mouvement. Mais les Égyptiens furent surtout choqués par les nouvelles représentations de la famille royale. Si un œil moderne les juge juste originales, les conservateurs de l'époque les trouvaient atterrantes. On a eu soudain une sorte de célébration de la laideur. Les corps ont pris des proportions inhabituelles. Des torses minces, des épaules étroites, des hanches larges chez les hommes comme chez les femmes. Des fesses massives et des cuisses flasques, c'était une image hallucinante pour un Égyptien. Le pharaon y trouvait sans doute une façon d'affirmer son existence, de déclarer au monde qu'il était différent de ses prédécesseurs. Promouvoir une rupture si brutale avec la tradition était très choquant, mais c'était une excellente façon de se faire connaître comme quelqu'un qui se prépare à apporter des choses radicalement nouvelles. Amenhotep IV entreprit une révolution religieuse. Les principes en avaient été lancés sous le règne de son père. Mais rien n'aurait pu préparer l'Égypte à ce qui allait se passer. Moins de 2 ans après être monté sur le trône, Amenhotep IV délaissa les dieux traditionnels. Même Amon-Ré, le roi des dieux, fut abandonné. On ferma ses temples et on évinça ses prêtres. La meilleure méthode pour rompre avec le passé était de fermer les temples. Cela retirait aux prêtres les moyens d'abuser de leur pouvoir. Pour ce pharaon, il n'existait qu'un seul dieu, Aton, l'aspect visible du soleil. Amenhotep IV est devenu le premier monothéiste dont l'histoire ait gardé trace. Il fut l'unique prêtre de sa religion. Le pharaon se dressa seul au-dessus de son peuple, baigné par les rayons d'Aton. Il balaya d'un coup toutes les certitudes sur lesquelles s'était appuyé l'âge d'or de son père. Il rejeta le nom d'Amenhotep, qui signifiait « Amon est satisfait ». Il en prit un nouveau, Akhenaton, le serviteur d'Aton. Akhenaton semble avoir disposé d'une très forte motivation, d'une énergie considérable, pour être arrivé à mener à bon terme tous les changements qu'il a promus. Ils allaient bien au-delà de la religion et de l'art. En fin de compte, Akhenaton aura restructuré tout le mode de fonctionnement de son pays.
Akhenaton ne faisait que commencer. Il prit bientôt une autre décision étonnante. Pour entériner la rupture avec le passé, il ordonna la construction d'une nouvelle capitale au nord de Thèbes. Il choisit un emplacement désolé connu aujourd'hui sous le nom de Tell el-Amarna. Il l'appela l'horizon d'Aton. Sur les grandes stèles frontières découpées dans la falaise, il proclama que le dieu soleil l'avait conduit ici. Et il affirma bien fort que cette décision était irréversible. C'est mon père, Aton en personne, qui m'a désigné ce site. Avant mon arrivée, il n'appartenait à aucun dieu, ni aucune déesse, à aucun roi, ni aucune reine. Je m'engage à ne jamais le quitter, et je n'ai pas l'intention de rompre un jour ce serment. Tell el-Amarna n'était pas une terre bien accueillante pour les premières personnes contraintes d'y bâtir la cité. C'était un vrai désert, un endroit inattendu pour l'édification d'une capitale. L'abandon de Thèbes permit au nouveau pharaon d'échapper à l'influence des grands prêtres d'Égypte. C'était une situation absurde. Thèbes, la cité célébrée dans les hymnes égyptiens traditionnels, était en réalité devenue une menace pour le roi, le premier de ses habitants. Rien ne fut oublié dans Thèbes. Akhenaton et l'ensemble de son gouvernement, les officiels, les scribes et les soldats, les artistes, tous durent émigrer vers le nouveau site désertique. Ils laissèrent derrière eux leurs maisons et leurs tombes soigneusement préparées. Ils quittèrent la cité la plus cosmopolite d'Égypte, bâtie par le père d'Akhenaton lui-même. Je ne crois pas qu'il y ait eu réellement le choix. Dans la mesure où le pharaon décidait d'aller là-bas, tout le monde y allait. L'ensemble de la cour devait le suivre. Tout individu occupant une place dans l'entourage du pharaon était obligé de plier bagage pour rejoindre Tell el-Amarna. Des dizaines de milliers de personnes se mirent en route. 350 kilomètres à descendre le long du Nil en direction d'une nouvelle vie, d'une nouvelle cité. Cette population allait se plier à la gigantesque expérience de son pharaon. La capitale d'Akhenaton avait été construite sur une échelle sans précédent. Elle mesurait 14 kilomètres de long sur 5 de large. Quatre palais gigantesques surgissaient du sol désertique, environnés de lacs et de jardins. Le grand temple d'Aton dominait la cité. Un temple ouvert aux rayons du soleil, au cœur de larges routes et d'espaces dégagés. Par certains côtés, la conception de Tell el-Amarna ressemblait beaucoup à celle des grandes villes américaines. Son plan était tracé de sorte à favoriser une libre pénétration. L'ensemble de la cité était une grande scène sur laquelle le pharaon pouvait manifester sa dévotion à Aton. Ses sujets voyaient à côté de lui, à la tête des processions, la femme qui l'avait aidé à réaliser ses rêves. L'une des femmes les plus remarquables de l'Antiquité.
Plus personne ne reverrait pourtant son visage jusqu'au début du XXe siècle. Durant l'hiver 1912, un archéologue allemand du nom de Ludwig Borchardt était venu faire des fouilles à Tell el-Amarna. Le 6 décembre, juste avant le déjeuner, j'ai été convoqué par une note du professeur Borchardt qui supervisait les fouilles. À 1 cm de profondeur, nous avons aperçu un cou, couleur de chair. Au fur et à mesure que ses ouvriers dégagèrent le sable, Borchardt distingua un visage de pierre tourné vers lui, le plus beau qu'il ait jamais vu. C'était le visage d'une reine dont le nom signifiait « la belle est venue », Néfertiti. Ébahi, Borchardt n'écrivit l'après-midi même sur son journal qu'une simple ligne. « Toute description est inutile, voyez-vous-même. » Dans la vie, Néfertiti fut aussi remarquable que sa statue. Comme sa belle-mère, la reine Tiyi, elle joua un rôle prééminent dans la société. Akhenaton et elle occupaient ensemble la tête du nouveau régime. Le rôle de Néfertiti dans la période amarnienne a presque été aussi important que celui d'Akhenaton. Elle était constamment présente. Sur certains bas-reliefs, on la voit même frapper les ennemis, ce qui était une tâche impartie d'ordinaire au pharaon. Néfertiti n'a pas été qu'une belle femme. Elle a été un élément de toute première importance dans l'incroyable expérience menée à l'époque. Néfertiti fut également la seule reine d'Égypte décrite par son mari en toute intimité. Des vers d'amour et de dévotion qui remontent à plus de 3 millénaires. Son beau et fin visage se détache sur les murs du palais. Quand sa voix se fait entendre, l'allégresse éclate. Son apparition remplit le roi de plaisir. Elle est la grande épouse royale, la bien-aimée du roi. Elle est la maîtresse de deux terres, Néfertiti. Néfertiti ne fut pas la seule femme dans la vie d'Akhenaton. Elle éleva leurs 6 filles dans les appartements nord du palais. Sur les rares bas-reliefs encore visibles, nous voyons les 6 petites princesses grandissant dans la cité du soleil, entourées de l'affection de leur père et de leur mère. Aucune autre famille royale de l'Antiquité ne nous apparaît avec tant d'humanité, de façon si concrète. Des stèles montrent même Akhenaton et son épouse jouant avec leurs enfants. Un instant de vie saisi dans la pierre il y a 3300 ans. Les représentations de cette famille divine sont exceptionnelles. Jamais jusqu'ici on n'avait vu le roi et la reine avec leurs enfants en train de grimper sur leurs genoux ou le roi embrassant sa fille. Aujourd'hui, nous qualifierons ces scènes de tableaux de famille étonnamment humains. Libérée des contraintes de l'ancien régime, la vie à Tell el-Amarna se déroulait agréablement, du moins dans un premier temps. Le succès de l'entreprise fut célébré dans des hymnes d'un type nouveau que le roi se vanta d'avoir écrit lui-même. On grava le plus grand de ces hymnes dans une tombe, en surplomb de la cité. Le texte dégageait une telle puissance que des phrases entières en ont été reprises dans la Bible. Akhenaton y glorifiait le soleil en tant que créateur du monde. Créateur des plantes, des animaux, des Égyptiens et même des autres peuples. Quand tu dardes tes rayons, bœufs et chevaux sont heureux dans les pâturages, et les arbres et les plantes reverdissent. Chèvres et moutons folâtrent, et tous les oiseaux reviennent à la vie, parce que c'est pour eux que tu as surgi de l'horizon. Même le poisson dans la rivière bondit vers toi, car tu as créé la terre pour ton plaisir. Hommes, gros et menus bétail, tout ce qui marche sur le sol,
comme tout ce qui déploie ses ailes pour le quitter. Le message global de ce grand hymne adressé à Aton, à Tel Alamarna, est que la vie vient du Dieu Soleil et qu'il l'a répartie à égalité sur toute la terre. À égalité entre les nations, entre les peuples, entre les animaux. L'Égypte semblait avoir accepté la nouvelle religion d'Aton. Au cours de la 12e année de son règne, Akhenaton organisa une vaste cérémonie afin de remercier son dieu à l'aide de milliers d'offrandes. Même la vieille reine-mère, Tiyi, rendit une visite officielle. Les ambassadeurs convergèrent du monde entier pour apporter leur tribut. Akhenaton occupait la tête des cortèges, à côté de la reine Néfertiti. Jamais on n'avait vu une coopération d'une telle ampleur. L'incroyable expérience de Tel el-Amarna réussissait. Mais la même année, en plein triomphe apparent, le nouveau monde d'Akhenaton commença soudain à se disloquer. Au sommet de sa puissance, Néfertiti disparut purement et simplement de l'histoire. Les égyptologues ne sont pas parvenus à découvrir avec précision ce qui lui est arrivé. Une tragédie personnelle s'abattit sur le pharaon, la perte de Néfertiti. Sa propre mère, la grande reine Tiyi, mourut peu après. De même, l'une de ses épouses de second rang, ainsi que l'une de ses filles. Après 12 années de tolérance, Akhenaton utilisa son pouvoir à des fins destructrices. Alors qu'il s'était jadis contenté de remplacer les dieux traditionnels de l'Égypte, il se mit à les persécuter et Amon-Ré subit les ravages de sa fureur. Le réformateur devint un fanatique, incapable de tolérer les autres dieux. Akhenaton fut le premier monothéiste, mais il fut en même temps le premier oppresseur religieux de l'histoire mondiale. Où qu'il se soit trouvé, le nom et l'image d'Amon-Ré furent détruits. Jusqu'au plus profond de l'Égypte, aucune référence aux dieux ne fut épargnée. Il a envoyé des armées entières d'hommes équipés de burins. Ils étaient accompagnés de gens qui savaient lire et leur indiquaient les noms des dieux à effacer. Akhenaton s'en prit même à la mémoire de son père bien-aimé, Amenhotep. Il fit sauter la part de son nom qui mentionnait Amon. Amenhotep signifiait « Amon est satisfait ». Akhenaton effaça la partie du nom qui désignait le dieu, vu que de toute évidence, Amon n'avait vraiment plus de quoi être satisfait. Il infligea une punition au nom de son propre père, dans le but de satisfaire ses vues personnelles en matière de religion et le fanatisme qui l'animait. Consumé par sa ferveur religieuse, Akhenaton perdit le contact avec le monde extérieur. Des lettres arrivèrent de toutes parts pour l'avertir que son empire était menacé. De vieux alliés, des princes et différents vassaux sollicitèrent son aide. Sa Majesté le roi doit savoir que le roi de Hatti a mis la main sur toutes les régions. Cela fait 20 ans que nous écrivons à notre seigneur le roi, mais nous n'avons jamais reçu le moindre mot en réponse. Des Cananéens ont agressé mes marchands et leur ont volé leur argent. Canaan appartient au pharaon. Ses seigneurs sont les esclaves de sa majesté. Je continue d'écrire à mon seigneur au palais, mais il ne m'a jamais répondu. Les princes et les peuples d'Orient hurlaient pour implorer son aide. Mais ses oreilles n'entendaient rien. Akhenaton ignorait les requêtes désespérées de ses sujets.
L'empire que son père avait préservé au prix de tant d'efforts était maintenant en danger. En voyant leur univers se briser, les plus anciens fonctionnaires d'Akhenaton ont dû se rappeler la façon dont se passaient les choses sous le règne de son prédécesseur. On avait l'impression qu'Akhenaton faisait tout ce qui était en son pouvoir pour réduire à néant l'héritage de son père. À la fin de son règne, l'ancienne grande puissance internationale n'était plus qu'une nation au bord de la crise. Seul le charisme personnel du pharaon empêcha son rêve de se volatiliser. Il mourut en 1336 avant Jésus-Christ. Avec la disparition d'Akhenaton, la société athonienne perdit sa clé de voûte. Dans les collines qui surplombaient la cité désertée, on abandonna l'édification des tombes des membres de la cour. Les tombes de Tell el-Amarna sont restées inachevées et vides. Certaines peintures ne sont pas terminées. C'est un peu comme si, en apprenant la nouvelle de la mort du roi, les artisans avaient subitement laissé tomber leurs outils pour partir. La mort d'Akhenaton permit aux forces traditionnalistes de reprendre l'Égypte en main. Les courtisans autrefois loyaux, les artisans, même les prêtres d'Aton regagnèrent précipitamment Thèbes. Ils étaient impatients de rétablir l'ordre pour éviter le chaos qui menaçait d'engloutir l'Égypte. 20 ans après le lancement de Tell el-Amarna, on abandonna la grande expérience du pharaon. Un nouveau souverain émergea du marasme, un garçon âgé de 9 ans. L'enfant roi avait grandi dans les palais d'Akhenaton. Ce fils était né d'une épouse de second rang. Il s'appelait Toutankhaton, ce qui signifiait l'image vivante d'Aton. Toutankhaton hérita d'une dynastie, d'une nation et d'un empire qui avaient les yeux fixés sur l'imminence du désastre. Mais ce n'était qu'un enfant. Ceux qui avaient été évincés par Akhenaton saisirent l'occasion de reprendre le pouvoir. Ils décidèrent d'utiliser le jeune roi à leur avantage. D'abord, ils le firent changer de nom. Toutankhaton devint Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. Sur un certain plan, Toutankhamon a eu une personnalité double. Il a été un intermédiaire entre l'époque amarnienne et l'époque post-amarnienne. Il avait respiré l'air de Tell el-Amarna. Il était imprégné de l'envie d'innovation intellectuelle. Mais, d'un autre côté, il a aussi été le premier pharaon de l'âge post-amarnien. Il a été la marionnette des nouveaux chefs de l'Égypte, les prêtres et les militaires. Dans une proclamation rédigée avec soin, Toutankhamon blâma son propre père, Akhenaton, d'avoir négligé les dieux traditionnels de l'Égypte et d'avoir plongé le pays dans l'anarchie. Quand le règne de Sa Majesté a commencé, les temples des dieux et des déesses étaient en ruine. Leurs autels effondrés étaient un simple tas de décombres, envahis par les herbes folles. Leurs oratoires étaient à peine accessibles, et la terre n'était plus qu'un chaos, parce que les dieux l'avaient abandonné. Face à tous ces problèmes, la solution de Toutankhamon était simple. Sa proclamation a été très importante, parce que l'ordre a été restauré et que les choses sont redevenues comme avant. On a vu revenir Amon, les anciens dieux, toute l'organisation sociale d'autrefois. On retrouva les dieux d'antan, les temples et surtout le pouvoir des prêtres d'Amon. Aton fut relégué dans le Panthéon à une place de second ordre. Personne n'alla plus dans sa cité, personne n'en parla plus. L'hérésie d'Akhenaton n'avait jamais eu lieu.
Quand Toutankhamon eut 19 ans et devint apte à gouverner par lui-même, tout semblait avoir repris son cours normal. Pourtant, le jeune pharaon mourut au cours de l'année même, de façon subite et mystérieuse. Un examen de son crâne a récemment permis d'échafauder une nouvelle théorie. Selon elle, Toutankhamon aurait été assassiné. Par qui ? Point d'interrogation. C'était une catastrophe pour la famille royale, car la couronne n'avait pas d'héritier. Toutankhamon n'aurait occupé que quelques lignes dans l'histoire de l'Égypte sans la persévérance d'un archéologue du XXe siècle, Howard Carter. En 1922, Carter exhuma dans la Vallée des Rois une tombe dont l'existence était mise en doute par la plupart de ses collègues. Son ahurissante découverte ressuscita en un instant l'époque de Toutankhamon. La poussière a gardé l'empreinte des dernières personnes à avoir respiré cet air 3500 ans plus tôt. Nous apercevions autour de nous des signes de vie qui semblaient récentes. Une lampe noircie, des traces de doigts sur une peinture fraîche, une guirlande de bienvenue qui pendait au-dessus du seuil. Nous avions l'impression que tout cela datait d'hier. La présence de détails aussi intimes abolit le temps. On se sent comme un intrus. La découverte de Carter fut exceptionnelle. Il ne fit pas que retrouver Toutankhamon, il mit à jour le plus fabuleux trésor de l'histoire. Objets, énorme quantité d'or venue de toute l'Égypte, étaient enterrés avec l'enfant roi. Il y avait des milliers d'objets, 6 chars, 4 lits de cérémonie et d'innombrables récipients rien que dans l'antichambre. Howard Carter a décrit l'ouverture de la tombe et ensuite l'extraction de tous ces objets. Il a fallu 10 ans pour tout vider. Carter a dit qu'on avait dû installer des plateformes en surplomb pour éviter de casser les objets en les piétinant. Malgré son étonnant contenu, quelque chose laissait à désirer dans la petite sépulture de Toutankhamon. Les trésors n'y étaient pas disposés avec soin, mais entassés de façon désordonnée. L'enterrement n'avait pas eu lieu dans les règles. L'arrière du trône d'or trouvé dans la tombe a fourni une piste pour une explication. Il montrait Toutankhamon et son épouse assis sous les rayons du dieu soleil Aton. Les fonctionnaires avaient saisi l'occasion de se débarrasser à jamais de ce souvenir du règne de son père et de la période qu'ils jugeaient si infamante. Le jeune pharaon était condamné à passer l'éternité en compagnie du dieu qu'il avait renié. Toutankhamon mourut sans laisser d'héritier. La réaction conservatrice put se déchaîner et elle fut sauvage. On détruisit la moindre mention d'Aton qu'on apercevait avec une rigueur impitoyable. On effaça à coups de burin toute référence à Akhenaton, à Néfertiti et à leurs enfants. L'ensemble de la famille royale fut rayé de l'histoire.
Tout a été oblitéré, comme si Akhenaton, Néfertiti et l'époque à laquelle ils ont vécu n'avaient jamais existé. Akhenaton devint une pure chimère. Si jamais on le mentionnait, c'était en tant qu'hérétique. Telle est l'Amarna, la grande cité jadis somptueuse qui avait assisté à la naissance du monothéisme, s'écroula progressivement dans le sable dont elle avait surgi. Elle fut abandonnée à jamais. Globalement, la société égyptienne a vu dans l'expérience de Tell el-Amarna un de ses moments les plus tragiques, à tel point que cette aventure a laissé des traces pendant des siècles. Le souvenir de cette très sombre période est resté gravé dans la mémoire de l'Égypte. Un épisode turbulent de l'histoire de l'Égypte était achevé. La dynastie des grands pharaons qui avaient fondé l'Empire touchait à sa fin. Tout était maintenant prêt pour un nouveau départ et une nouvelle lignée de pharaons qui s'efforcerait de retrouver la gloire de l'Empire de l'Or.